Moi aussi j'aime le miel. Ouh, attends, attends. Ça sort. Oh, je vois un caisse avec une cage. Ah oui, c'est lui, c'est notre cage. Mais elle est pas fermée, on sait. C'est une merde. Putain, je suis bloqué encore. En fait, c'est je... Ah putain, je suis encore bloqué. En fait, je vendais mes services. Ouais. Ouais, t'étais plus... Donc, j'étais chasseur de Quetzal. J'étais aussi tueur de Titano. J'étais... Je me mets plein de trucs. Genre, c'est comme sur CS, toi, il y a des grades, genre. Chasseur de Quetzal. La comparaison. Non, mais non, j'ai pas... Non, je suis pas... Je m'appelle pas... Jean-Mi. Jean-Mi. Sympa, Jean-Mi, comme prénom. Sinon, toi, Otomo, tu... Non, c'est pas sympa. Moi, c'est Otomo, point final. Ok, excuse. Bah après, c'est vrai que j'ai plus de 3000 heures de jeu. Oh ouais, t'es un ancien. Non, mais je suis un vieux, moi. Je suis un ancêtre. Hein. Non, mais un ancêtre, dis-le. Un ancêtre? Connard. Quoi? Non, mais non, moi je suis un ancien du jeu, oui, c'est clair. Hein. T'es un ancien ou un ancêtre? Parce que 3000 heures, franchement, ça fait beaucoup. Bah, un peu les deux, en fait. Un ancien être. Cette mec s'y suit des mots. 55, c'est pas assez avec la musique. Par contre, si tu me vexes, c'est fini. Oh, ouais. Non, excuse. Je voulais pas. Non, mais c'est mon humour. Clem, 55, c'est pas assez. Si tu veux que je t'apprenne, pas de problème. Par contre, si tu me vexes, on se barre. Hein. Je me barre. Hein. Ouais. Parce que t'imagines ce que moi je connais sur le jeu. Ouais. Et toi, tu connais sur le jeu. Ouais. Ça stream comment, un Trodon? Ok, ouais, ciao. Tu veux ta main, Trodon? Allez, ciao. Allez, c'est bon. Allez, mais quoi, je te demande un truc. Non, c'est bon. C'est mort. Bye. J'ai demandé tout à l'heure, vas-y, bah bonjour. De quoi? Bah, je te dis bonjour, si tu veux partir. Non, mais tu vois comment t'as un Trodon? Ouais. Mais tu fous de ma gueule ou quoi? Quoi? Bah je demande, je sais pas. J'ai essayé de l'endormir, mais j'arrivais pas à lui foutre de la bouffe. Tu sais quoi? Quoi? Tu vas lui... Mais donne-lui un... Merde, un... Ah putain, j'arrive pas trop le mot. Putain, mais les trucs qu'elle est là, de la mort qui tue, qui casse les couilles sur le jeu de merde. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, pas du tout. La Quetzal? Non, pas les Quetzal. Les Dilos. Sur Scorchid. Elle est Wyvern. Wyvern. Ben voilà. Hein? Mais disons qu'on en a pas beaucoup ici. On peut avoir des Wyverns. C'est ça qui est cool. Parce que moi j'ai joué justement sur les serveurs où il y avait des Wyverns et c'était franchement le déséquilibre était tellement énorme que... Oui mais ça time les Trodons les Wyverns. On fait comment pour les Trodons? Pour les Trodons, bah, je sais pas comment on fait. Ok. Bah, ils sont sortis pourquoi il y a pas longtemps. Tu parles des Wyverns sont... Les Wyverns, je suis contre. Par contre, les Trodons, je suis contre aussi. Hein. Mais c'est fort les Trodons. Ah, je les aime pas, c'est connard. Christo, récupère ton Pokémon. Compris là.
Christo, t'es pas avec Elec toi ou avec Y'a des femmes chez vous? Quoi? Y'a des femmes chez vous? Ouais ouais. Ça y est, Otomo il est devenu raciste. Ouais, moi je suis raciste envers les hommes. Ah bon? Pourquoi? Plutôt envers les femmes plutôt. Je préfère les femmes, c'est tout. Ah ouais, t'es raciste. Je suis raciste envers les hommes, ouais, je préfère les hommes. Non, merde. Je préfère les femmes. Mais les femmes, c'est des connasses. J'aime bien à moitié. En fait, elle sert à rien, quoi. Il est défoncé ou comment ça se passe? J'ai l'impression qu'il est défoncé. Non, mais Nono, elle sert à rien. Oui, au fait, ça t'a pas été une impression. D'accord. On se posait la même question. Si j'ai envie de me casser, je me casse. Point final. Ouais. Et une question, t'as... T'as avant tout une liberté. T'as pris un truc à 4h ou pas? De quoi? T'as mangé un truc à 4h? Ouais, moi je mange... ouais, des petits cakes. Ok. Tu l'as acheté où? Et alors? Non, c'est une question. Ah, mais non. Où je les achète, mes petits cakes? Ouais. D'après toi, connard. Au Super U? Oh, le Super U, il vend pas ça. Il y avait un truc dans ton cake ou quoi? C'était un cake à quoi? C'était un cake assez spécial. Ah, moi, c'est la coque, hein. Hein? La coque, c'est bon, on a eu notre réponse. C'est un cake au chocolat. Mais qu'est-ce que je te dis, quoi? Bah... cake au yaourt, cake au chocolat, vanille. Bah tu demanderas à... à Bir. Non, tu demanderas à Zor ce que... comment je suis, moi. Bah vas-y, dis-nous, parce qu'on le connaît pas. Bah, on l'a jamais vu, on le connaît pas. T'es plus... avec Azor, là. T'es plutôt comment? Bah disons que la Steamberry, ça me fait rien du tout. Ah, parce que toi t'en manges sur de la Steamberry. Ça fait faire caca, hein, fais gaffe. Hein. Bon, on va arrêter les conneries. Mais le cake, il était à quoi? Oh les cons. Hey, je vous kiffe quand même. Mec, moi aussi, mais t'as vraiment mangé du cake ou quoi? Ah, t'habites en... comment ça s'appelle? En... ah, je sais plus où ils font des cakes spéciaux, là. Un petit peu illégal en France. C'était pas en Hollande? Ouais, c'est en Hollande. Ah, j'aime la Hollande. Ah, ouais, bon, j'ai compris, c'est bon, le gars, j'ai compris. Avec tous les dinos et tout. D'accord. Ok. Clément, t'as pas l'air. Bah, mais ils le croient pas. Mais et voilà. Ton cake, il... ah oui, c'est le space cake. Non, mais ils le croient pas, c'est pas grave, hein. M'en fous, hein. Ah non, mais si, mais on se croit, tout à fait. Non, ta base, mais... tu l'as faite avec nos olores. Et je te demande juste à vite verrou. Ah. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai un problème. Ça monte. Non, il y a un mec qui me pirate. Tu t'appelles comment en vrai? Non, il veut pas dire. Tu m'appelles comment en vrai? Ouais. Petit poney. Okay. Ah, c'est mignon comme prénom. Ouais. T'as vu? T'es sérieux? Je m'appelle Monsieur Petit Poney. Ouais, pas mal. Il vole ton poney. Eh, comment est-ce qu'on fait ça? Ça ouais, comment le truc pour l'agriculture, Clem? Sinon, Tomo, ouais. Tu... genre, tu... t'as un travail? Bah, pour l'instant, mon travail, c'est le gaming. Ok. Tu fais des vidéos sur YouTube? Non. Non, j'oriente les gens qui vont faire des trucs sur YouTube. Parce que il faut te dire que les mecs qui font des trucs sur YouTube, il leur faut des gens pour leur dire
il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est mon boulot. T'as aidé qui par exemple? J'ai pas le droit de dire ça. Okay. Ah oui ouais, c'est genre un... Des secrets professionnels. Ouais. C'est comme les médecins. Mais t'inquiète pas, c'est pas du genre l'autre connard de... Enfin bref. Ouais. Mais go Google! Me cassez pas les couilles. Coucou Niette. Moi j'ai pas Google, non, moi je suis sur Safari, non, ouais. J'ai un Mac. T'as un Mac? Ouais. Va te prendre. T'as envie de te dire, viens une fois tous les... Quand ça l'enchante. Fait de la magie? Oui, non mais voilà, ça. Oh, il y a des nouveaux dinos! Oh putain, je m'amuse avec! Ouais, c'est cool! Elle veut pas venir. Bon. Non mais en gros c'est ça, voilà, c'est que elle vient. Oh des jolis dinos, ouais c'est cool. Tu les as eu où? Bah je les ai eu là-bas. Ah ouais c'est cool et tout, je m'amuse. Oui. tu vois c'est le truc si le. Tu vois ouais, la licorne. Eh sérieux, Otomo, t'en es où au gâteau? Pense à un compris. T'en es où au gâteau? Du gâteau? Ouais. Ton cake. Ton cake de l'espace. Vous allez me tuer les gars. Faut dire que j'en suis pas loin de la moitié. Ah ouais. Attends encore pour un petit peu quoi. Et t'as commencé quoi? Genre là il y a une grande quantité de... J'ai commencé dedans, hein. Non j'ai commencé il y a une heure. User joined your channel. Ouais ça rigole pas, tu bouffes vite le gâteau. Salut Odelgar. J'aime la gamer. Du coup ça t'a pensé à quoi de raser la base? Mais pour repartir sur un terrain neuf. C'est sûr que là pour être neuf. Ah oui, tu rases, c'est neuf, hop. Généralement, quand tu rases, le poil, il est un peu plus doré. On commence pas sur un poil neuf, ah, tu vois. Ah, ça c'est une idée reçue, ça, mon gars. Oui, mais non, mais moi, je te... Le poil n'est pas plus dru, absolument pas. Il est pas plus fort, au contraire. Oui, bon, mais en gros, il est déjà vieux, tu vois. ouais, mais bon, hop. Oui, bref. Bref, t'es un petit genou, toi. Ouais. Moi, ouais. Je suis une petite épaule. Ouais. Moi, je regarde les vidéos dans ton corps. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde la vidéo, hein, t'inquiète pas. Ah non. Oui, non, mais t'es un petit genou, toi. T'as pas compris comment se passe la vidéo. Moi, je mange la moutarde de Dijon, ouais. Moutarde du genre, ah j'aime bien moi. Franchement j'aime bien. Sur la dans la mayonnaise. Ouais. Une petite Dijon dans une mayonnaise. Je sais pas, je vais aller tester. Tu mélanges de la mayonnaise et de la moutarde. Bah, une moutarde dans une de... dans une petite de... Moi je dis pas non. Hein. Franchement, une petite moutarde là-dedans. Hein. Non mais je suis un connard moi dans la vie de tous les jours, je suis un gros connard. Hein. Ça, non mais ça je l'ai jamais caché à qui que ce soit. Hein. Je suis un gros connard. Point final, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Moi je te vois dans la rue, je te connais. Si j'ai envie de te mettre la bite dans la gueule, mais je le fais. Ah ouais. C'est particulier quand même. Non mais je m'en bats les couilles. En plein milieu du trottoir je... Ah bah oui. Bah déterre quand même hein. Ouais. Bah écoute, moi mon premier livre c'est la Bible satanique. Ouais pas mal ouais. Mon livre de chevet c'est la Bible satanique. Moi c'est le Kama Sutra. Pas chacun ses points de vue. Ah hein. Le Kama Sutra est intégré dans la Bible satanique mon petit. Je savais pas
Et il fait combien de pages? Bah attends. Attends. Je soulève mon écran et je te dis exactement. Ah donc tu joues sur ta table de chevet. Non non non. je l'ai vraiment. Tu veux regarder? Non, mais... Tu veux que je te montre une cam? Non t'inquiète, je te crois, mais s'il est sous ton écran et qu'il est sur ta table de chevet, c'est-à-dire ton écran est sur sa table de chevet. Mais j'en ai plusieurs. Ah ok. Un écran ou deux tables de chevet? Les deux. Parce que je suis aussi exhibitionniste. Hein? Quoi? Alors, la Bible satanique fait exactement... Merde. Hop. ...320 pages. Et ils disent quoi d'intéressant dedans? Tu l'as lu? Tu veux que je te lise la Bible satanique maintenant, là, de suite? Bon, un petit extrait, un petit bout. Moi, j'aime pas lire. Donc... Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait beaucoup rire. Ah. Parce que... Non, je pense pas que ce soit des choses à dire maintenant. Ok. Mais tu peux pas lire genre juste lire un tout petit bout. Une page au hasard, voir le style d'écriture. Si c'est de la prose. L'engagement d'auteur. Ouais. Je prends une page au hasard comme ça. Vas-y. Soyons fous. Alors. Je prends juste la couverture pour l'instant. Il y a marqué la Bible satanique. Ouais. Alors. C'est pas monotone, je trouve. Non mais l'auteur quand même. C'est Satan. Faut respecter quand même. Hein? On est d'accord. Connard! Alors, c'est tiré de Anton Zador Lavé. C'est le petit putain, c'est vrai. Déjà, c'est vrai en plus. Déjà, c'est pas crédible. Enfin, non mais c'est vrai. Mais déjà quand tu prends le, tu vois le ton du... C'est un allemand. T'as du mal quand même, c'est pas... C'est un allemand. C'est très bizarre. Oui, c'est allemand... Non, c'est pas allemand, c'est... Russe. C'est... Non, c'est pas russe. Tchèque. C'est... Néerlandais. Non, mais laisse-moi finir, connard. Avec plaisir. Non, c'est un auteur en fait qui est... Bah oui, il est mort d'ailleurs. Antoine Lavé est mort. Oui. Non mais c'est un auteur qui est américain allemand. Américano-allemand. Alors si je prends une... Hey, je te jure, je prends une page au hasard. Un peu plus vers le début, d'ailleurs. Vas-y. On commence en douceur. Voilà, on commence en douceur. Non, je peux pas. C'est que de la connerie, quoi. Bah, je crois que ça te plaisait. Je peux pas, c'est de la merde. Bah, ça... Faut savoir ce que tu dis. Ton discours est contradictoire. Y a des principes que j'aime beaucoup. Comme quoi? Mais ce qu'ils disent là-dedans, c'est de la merde. Mais les... Ils autorisent la sodomie. Oui, c'est ça qui me dérange. Ah. Ah merde. Ah merde. C'est un jeu de mots. Ah merde. Tous les prêtres là, qui se tapent des petits enfants. Qu'est-ce qu'il a goûté? Des cristaux. Okay. Et moi faut que j'aille manger. Ah cristaux, comment tu vois? Il vient de quitter. Il est parti. Ah merde, ah oui. Franchement, le truc qui me fait marrer, c'est que il y avait quelqu'un de célèbre qui est venu tout à l'heure, qui était avec moi, et vous l'avez même pas vu, quoi. C'est malade, quoi. Non, mais il a pas ouvert sa gueule. Il a juste...
Il est juste venu sur le chat et vous avez rien vu. Et ça, ça j'adore. C'était qui? C'est qui, Patrick ça, Sébastien? Ah, non, c'était Sim. Qui? Sim. C'est qui Sim? Ah, tu connais même pas Sim. Non, je connais la carte Sim, mais... Carte. Non, vous l'avez même pas vu, mais c'est pas grave. Mais c'est qui Sim? Non, mais c'est pas grave. Mais ça m'a foutre. Dis-nous qui c'est. Non, mais c'est pas grave. Tu veux que ça m'a foutre? Non, ça peut peut-être être intéressant de savoir s'il est vraiment connu. Enfin, si c'est quelqu'un de connu, c'est intéressant. Ah ben... question connue, oui, oui, ça, il est connu, hein, putain. Un humoriste super connu, hein. De ce côté-là, si tu veux faire... booster la carrière, wow. Mais par contre, il a dit que t'étais un con. Oh, écoute, Undermaster. Moi, tout ce que je et vois... Et OdelGamer13 aussi. Tout ce que je vois, c'est que tu cherches à faire du fric. De quoi? Qui veut faire du fric? Mais c'est l'impression que j'ai... De moi? Bah oui. Du fric sur bah oui, pas des autres. Hein. Et de quoi? Sur Arc? Pourtant, il n'y a pas de fric à faire. Bah oui, c'est pour ça. Pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est une impression, en fait. C'est pas... Je dis pas... tu fais ça. Je dis, c'est une impression... Pourquoi? J'ai l'impression que tu essaies de... Un essayage, tu vois. Un essayage, ouais. De string. D'accord. Donc j'essaie de me faire du fric. Et... Bah, j'ai un petit peu l'impression, après... Je peux me tromper, hein. Je peux pas te dire encore. Et comment dire, j'essaie... Ah, et après, si tu réussis, chapeau. Tu penses que je vais devenir là, riche? Bah non, je suis pas riche, me faire 2-3 euros, je suis pas content. Hein. c'est quoi ton métier déjà? Tu fais du gaming, mais tu fais quoi? Tu nous as dit tout à l'heure. Ben non, mais moi, je travaille pour TF1. Ah. Ah. C'est cool aussi TF1. Travaille pour TF1. Oui. Mais je comprends pas. Oui, je fais des reportages pour TF1, mais je... Genre ce soir, si j'allume les infos, je vais voir reportage réalisé par Otomo. Non, non, parce que là, c'est pas concluant là. Là, c'est non, mon avis, le reportage il sera pas. Et non, là, c'est foutu. Je comprends pas. Donc tu travailles chez TF1? Oui. Et tu fais quoi? Tu vas sur le terrain, t'enquêtes? Tu t'écris? Ben normalement je dois enquêter sur le terrain, mais là je suis bleu. Tu fais quoi chez TF1? Ben je suis reporter. Ok. Est-ce que... Tu fais des reportages pas très concluants là, c'est ça? Non, là c'est pas concluant du tout. Là, c'est un reportage sur quoi? Mais en fait, je fais un reportage sur l'addiction des jeux vidéo, enfin des meporg. Oui. Voilà. Et je fais un reportage là-dessus sur les meporg. D'accord. C'est intéressant. Et t'en étais arrivé à quel moment? À l'origine ça pouvait être intéressant, mais je me sens un petit peu exclu de cette on pourrait dire société virtuelle.
Pourquoi? Non mais c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Non, c'est bon, j'arrête. Quoi? Mais non, mais je pose pas pour TF1, j'ai rien à foutre de leur gueule, quoi. Ah. Ah, tu nous as eu. Ah, tu nous as bien eu. Du coup, tout à l'heure, j'ai pas entendu, moi. C'est qui l'artiste qui est chez toi qu'on a pas parlé? Non, ça, c'est ma meuf. Ah, elle est artiste. Mais t'as pas dit que c'était un mec? Elle est trans. Ah. Ah, mais t'as pas dit que t'aimais pas les mecs? Ouais, j'ai jamais dit que j'aimais pas les mecs, hein. Bah si, tout à l'heure, t'as dit que t'aimais pas les hommes. Que t'étais raciste envers les hommes. J'aime les hommes quand ils sont efféminés. Pas pareil. Putain, et on va partir sur un trip de... Putain, là, on va partir sur un trip à la Tarlouse, ça va être horrible. Mange une paire de cake. J'aime le cake. Non mais je te jure, non mais ça va partir sur un truc à la... un truc mortel là. Tu penses? Ah ouais, carrément ouais. Parce que moi aussi j'aime le miel. Comment pas la si tu parles de miel? Tu vois, on va forcément partir. Ça va partir dans tous les sens. Ouais, donc dans la Bible satanique, il y a quoi? Parce qu'au final, tu nous as pas dit, t'as dit que t'avais pas le droit de dire. Ah non, j'ai tu peux peut-être nous lâcher un petit morceau là. Une petite, un ou deux vers. Bah, je vais te lâcher un morceau, mais ça va pas te dire quoi. Vas-y. Bah tranquille. De toute façon, on peut pas juger l'auteur sans avoir lu son œuvre. Splash. Non, j'ai pas le droit de te dire quoi. Et genre, il a quoi comme goût, ton cake? Alors, là, elle a fait à... Merde, la blue... Merde. La blue gem? Non. La myrtille? Non. La blueberry. Tu casses les couilles. Non, mais c'est de la blueberry, mais c'est de la... Mûre. Non, mais la vraie blueberry, la myrtille, voilà. Cassis. C'est de la myrtille. Ah, cassis. Ouais. Mais non. Mais une vraie c'est Dutch Passion d'ailleurs. Du quoi? Dutch Passion. Ouais, les graines. Ouais. Et c'est... La mire blairie. Ah ouais, ouais. Voilà. La mire blairie. Super bonne. Alors, sur un dans un composteur, c'est bon ce que tu veux. Bah du compost. Ouais, mais tu dégage. Tu veux faire de l'engrais en fait? Bah oui, du compost quoi. Otto? Ouais? Je peux te parler? Bah oui. Viens sur le TS Ashox, de suite. Le TS quoi? Ashox, de suite. Shox? Non. Steve, non, ils vont pas te balle, j'en ai rien à parler, viens. Non, je lui parle pas à lui moi. Mais putain, tu parles à moi, pas à lui. Écoute-toi. Non, mais je lui parle pas à lui, c'est un connard. Oui, mais justement, tu parles à moi. Mais Ashox, je sais même pas comment, je sais même plus comment... Tu as fumé, non? Quoi? Tu as fumé? Mais non, j'ai pas fumé. Bizarre. Parce que t'as mangé un gâteau Space Cake? Ouais, c'est chelou, sa voix elle est chelou là, je sais pas ce qu'il a. Non mais, je lui explique. Non mais, je lui explique exactement comment ça marche, c'est tout. Non, je parle pas de ça, je parle de toi. Mais tu parles de moi. Que ça en a à foutre. Y'a rien de méchant, je veux juste savoir si t'as fumé ou si t'as bu. Non, j'ai pas fumé, j'ai pas bu. T'as mangé quelque chose?
Putain, mais je lui explique comment ça marche. T'as mangé quoi à 4h? T'as mangé quoi à 4h? Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Bah, les champis. Les psysios, c'est super bon. C'était quoi? C'était quoi exactement? Des cèpres. Des cèpres, c'est quoi ça, des cèpres? Un champignon. C'est ah non, moi, ça... c'est... moi je préfère les psysios. Les quoi? Les psysios. Psysios? Non. Sur la merde, des. Les bouses, des vaches, tu vois? C'est les psysios qui poussent. Ouais. Ah, oh, donc t'as mangé de la merde de vache. Et après tu les mets dans une théière et tu les bois. Ok. Ah, donc ton cake il était normal, celui que ta voisine t'a fait. Ouais, mais c'est après moi, c'est moi j'ai mis trucs. Ah, t'as mis des petits bouts, ok. T'es cuisinier en fait. Bière, peux-je parler 2 minutes? Moi non, je suis chimiste. Ouais. Je peux te parler? Ouais, vas-y, viens. Vas-y. Bon, non mais tu veux quoi? Mais dis-le moi maintenant. Je veux un peu de... Non, si t'as un truc à me dire, tu me dis devant tout le monde. User left your channel. Je suis pas d'accord. Bière. T'es chimiste pour TF1? C'est ça, non, pour Canal Plus. Non mais j'ai dit, si j'avais fait du temps ouais. Mineur ou je sais pas quoi. Ah, on a eu peur. Bon attends, je vais manger, tu sais quoi, je reviens. Bon, je mange des pâtes. Ouais, mais moi, écoute, moi je vais au chiot, je vais pisser. Hein.